Comedy Club Live, le best-of. Emergency. Non, c'est bon. Cette semaine, on a reçu un paquet. Dans ce paquet, il y avait une porte. Derrière cette porte se trouvait un rideau, derrière lequel il y avait un paquet. Et dans ce deuxième paquet, il y avait une nouvelle chronique. Et la nouvelle chronique, c'est celle de Johnny 3.0, notre correspondant du futur. Alors, grâce à une liaison biotronique, des particules alpha, nous avons pu joindre le futur et nous avons donc Johnny 3.0 au téléphone. Johnny 3.0, ça biotope ? Oui, absolument, c'est la benzoate de sodium, voilà, absolument. Tout à fait, langage du futur. Alors, j'arrive pas trop à vous situer dans le temps. Vous êtes, alors, est-ce que vous êtes avant ou après ? Non, c'est moi qui ne vous situe pas dans le temps. Oui, vous voyez, grâce à mon écran, je n'arrive pas à comprendre si vous êtes avant ou après que Dorothée ait fait son attentat suicide pendant le G20. Est-ce que... Oui, alors, ben non, nous, en fait, là, on est en 2010 actuellement, à peu près, quoi, si vous pouvez situer. Wow. Donc là, vous n'avez pas encore eu les robots géants qui sortent de la Terre et qui attaquent les gens ? Non. Ouais. Bon, alors faites gaffe à vous en décembre 2014, juste. Faites attention. D'accord, ah ben, on savait pas, comme quoi. Donc... Absolument ! Oui, c'est gentil de dire ça. C'est le point du futur. On n'utilise plus de point, on dit toujours absolument ! À la place du point ? Absolument, absolument ! D'accord, oui, je voulais dire, si vous dites absolument et vous terminez votre phrase, ça donne donc absolument, absolument. C'est chiant. C'est qui le chef du futur, juste pour savoir ? C'est Michel Drucker, absolument. Ah bon ? Il est encore là à votre époque ? Oui, c'est un androïde en fait. C'est nous qui vous l'avons envoyé pour déconner il y a très longtemps. D'accord, c'est marrant. Et il est bon en dirigeant, il est bien ? Ouais, il a fait un nouveau calendrier maintenant, tous les jours c'est dimanche. Ah ouais, c'est absolument. Ouais, ça paraît logique. Internet, ça existe toujours ou pas ? Non, on l'a effacé en 2437. Ah bon, y a quoi alors? Il y a Supranet maintenant. Ah d'accord, c'est mieux? Pareil, du cul, mais beaucoup plus vite. Ah bah c'est bien, c'est déjà ça. Moi. Alors, c'est marrant, le futur, vous avez de la chance. Y a des voitures volantes ou pas chez vous? Absolument, absolument. Ah c'est classe. Y en a plein? Non, les gens préfèrent l'avion en fait. Ah, absolument. Toujours de base, mais c'est logique. Alors je sais pas, le futur, moi. Vous avez des robots qui parlent par exemple? Bien sûr. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils font? Alors ils ont pris le contrôle de la planète comme dans Terminator, il se passe quoi? Absolument. Ils ont pris le contrôle de la planète, mais seulement pendant 2 semaines. Après, on a arrêté les centrales électriques, ça les a niquées, absolument. Ah, c'est incroyable. Donc, il y a eu des grands bouleversements, quand même. Oui, il y a eu de grands bouleversements. Et il y en a eu 3, en fait. Ouais. La série de raz-de-marée de 2087, la pluie des météorites de 2340 et la Coupe du Monde 2535. Pourquoi la Coupe du Monde bouleversée ? L'Algérie a gagné. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est clair, c'est chaud, alors. Ok, bah c'est bien, il y a plein de... Je sais pas, il y a d'autres trucs, là, que vous avez en tête ? Vous connaissez la Belgique en tant que pays ? Oui, bah un pays. Eh bien, la Belgique n'existe plus. Elle a été remplacée par un énorme Starbucks Coffee, le plus grand du monde. D'accord, mais les Belges, alors, ils sont où, maintenant ? Eh bien, ils travaillent tous dedans. C'est incroyable. C'est ouf. Et alors, le sport, dans le futur, ça bouge un peu ? Ah, les Jeux Olympiques ont été annulés. On arrête. C'est fini pour nous, les JO. Absolument. Ah bon ? Oui, à force de rajouter des sports, les JO, la dernière fois, ont duré 24 mois. Ah ouais. Moi, il y avait que ça à la télé pendant 2 ans et demi. Beaucoup de suicides. On a laissé tomber. Ça fait beaucoup, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Bah, alors, j'ai une question, moi. Comment fait-on pour me payer en tant qu'intervenant du futur ? J'habite dans le futur. Ouais, bah, je sais pas. Vous voulez qu'est-ce que... Je sais pas, vous allez mettre de l'argent dans une boîte en fer et l'enterrer pour que je la trouve ? Bah, on peut essayer si vous voulez. Je sais pas, c'est vous qui décidez. Moi, Parce que si vous me payez pas, je vous envoie une chroniqueuse. Quand vous commencez l'émission, il y a à peu près 3 mois, elle s'appellera Shirley. Et elle va vous faire croire qu'elle est gentille pendant 3 ou 4 émissions, peut-être 10. Et à un moment donné, elle vous tuera dans les coulisses. Bah non, tu ferais pas ça, Shirley. Non. Bon, merci Johnny en tout cas, c'est très gentil. Et puis, si jamais vous avez d'autres infos, n'hésitez pas, on vous rappelle au cas où. Absolument. Merci Johnny 3.0, à bientôt. Le meilleur du meilleur du meilleur du Comedy Club Live. Best quoi ? Best of. Best quoi ? Best of. Tous ensemble. Best quoi ? Best. Best quoi ? Best ? Non, le petit en pull marron, t'as pas crié. Porsche, you know you turn me on. Girl, you want me down, down on my knees. Like a golden boy you wear on your finger. Girl, you wanna play with me and that's all. That's all right by me. You'll never be my girl, never be my girl, never be my girl. You'll never be my girl, never be my girl, never be my girl. No way. Let me see your face without your blusher. You turn me on.
that's all fine by you. You tell me how to I just wanna shake you up and that's alright by me. You'll never be my girl, never be my girl, never be my girl. You'll never be my girl, never be my girl, never be my girl. No way. Le titre c'était No Way. Le Comedy Club dans le Move. Alors Gush, vous êtes venu nous présenter votre nouvel album Everybody's God qui sort le 15 février prochain. Vraiment j'ai été surpris. Quand j'ai écouté l'album la première fois, j'ai pas lu rien sur vous, j'ai juste écouté la musique. Vous chantez en anglais donc je m'attendais forcément à un groupe. En plus vous appelez Gush. Je me disais il doit y avoir Peter, John, Mike et Steven dans le groupe. Et en fait il y a Yann, Xavier, Mathieu et Vincent. Donc en fait vous chantez en anglais mais vous faites vos interviews en français. Donc moi je fais mon émission en français et je vais faire une interview de vous en anglais. Hello Gush. Hello. What is the day today? Saturday, Monday, or the Peace Boss now, please? Tu veux peut-être dire depuis combien de temps on est formé? That's right and go, you know. Ça fait depuis 2004. Oh yeah, that's good, yeah. On the 40th Street, what about the Mongo Band stage? Ah, ça fait plaisir que tu parles de ça, parce que la scène, en fait, c'est hyper important pour nous. En fait, on est quatre devant, en fait, on est comme ça, on est face au public. Et donc, c'est très intéressant de venir nous voir sur scène, il faut tous venir. And when you push on the stage, you push on the stage, you're very wow. on est habité, en fait, par la... La chose qui, dont on ne peut pas nommer, enfin, qui n'a pas de nom, quoi. Right. Voldemort, tu veux dire. C'est très right. So, what's going on Marvin Gaye and the Get Up Style, please? Ah, nos influences? Yeah. Nos influences, bah, c'est, on en a parlé tout à l'heure, Amel Bent. Je suis déçu. Amel what? Bah, Amel Bent. Ok. Bent. Ça veut dire... C'est quand tu tires une corde en guitare, quoi. It's a band. All right, I'm in the band. Okay, I understand. Yes. Another question. It's a family affair. It's a family affair to bond about, no? Effectivement, oui, on est donc une famille, comme on l'a dit, mais nous ne sommes pas mormons. Okay, ouais. Okay. And what is your favorite cereal? It is Kellogg's Chocapic. Special K, ouais. This is your favorite cereal ever. Ever. Chocapic. That's Special K. Okay, Special K Chocapic. Thank you very much, Gush. Thank you very much. Comedy Club Live, le best of sur le Move. Now that I am lonely, tears won't you come? My eyes are closed. Somebody lock the door. Though my demons set me free, peace can be done. Take a look in the mirror, I've never ever looked that bad. Ooh. Here in this cell I awake. Something is wrong, but I cannot remember. Ooh. Where is the sun? Where be that warmth? I check out my hands. Then my bloody shirt realized she was dead. Merci, girl. Yeah, la classe. Bravo, Gush, merci beaucoup. Comedy Club Live. Le best of.